Salut à vous GoPro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Tibris et aujourd'hui petit insertion dynamique, 24 décembre, les fêtes de fin d'année, le réveillon. Bonne fête à tous et à toutes, je vous souhaite une agréable fête. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? La GoPro, elle est sur la tête. On a pris mon fourgon. Si vous voulez, je peux vous faire une présentation de mon fourgon bientôt dans une prochaine vidéo. Et direction le travail, tout en respectant les limitations. 470 km on peut faire, soit deux tours de l'île. Le temps un petit peu à la pluie, je sais pas si vous voyez bien. Donc l'équipe, je vous souhaite à tous et à tous une agréable fin d'année. Prenez soin de vous et de votre famille également. Moi je commence à 17h comme d'hab. Vous allez dire, ben attends, dans toutes les vidéos. Épisode numéro 5 aujourd'hui, POV sur la route. Vous allez dire, ben attends Tibris, tous les jours, tu commences à 17h. Non, exceptionnellement l'équipe. Tranquillement toujours, 90. Regarde, ils sont pressés. C'est pas grave, moi non. Jamais être pressé pour aller au travail. Règle numéro 1, n'hésitez pas. Retenez, mettez un pouce bleu. Retenez, ne jamais se presser pour aller au travail. Salut au monsieur le patron, si tu regardes la vidéo, on vous aime. Continuez à nous payer un peu mieux, s'il vous plaît. Merci. On a mis la clim, la température extérieure. Oh là là, le petit chien, le petit cabot qui est mort. Le petit cabot s'est fait écraser. Température extérieure, comme vous voulez. Vous voyez, dimanche 24 décembre, 29 degrés Celsius. On a mis la clim, 21 degrés. Petit 90, ça suffit pour aller au boulot. On n'est pas pressé. En plus, regardez, consommation, ça consomme rien le fourgon. Regardez, 3,7 litres. Aberrant. Même la RS6 de GMK, elle fait pas mieux. Vous allez voir le nombre de kilomètres. Il va augmenter dans 20 minutes. Vous allez voir ça, l'équipe. Donc, j'espère que tout le monde va bien. 16h14, on commence à 17h, tranquille. Dites-moi votre menu du réveillon. Nous, ce soir, ce sera petit toast. Vous savez, les petits toasts, les petits pains de mie, le pain aux figues. Oh là 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 là, le pain aux figues. Qu'est-ce que j'adore ça. Et le meilleur, vous savez, c'est quoi? C'est pas le pain aux figues. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est pain d'épices, le petit pain d'épices avec le foie gras. Oh là là, ça, c'est magnifique. Après tout ce qui dit poisson, saumon, je préfère les laisser dans la mer. Tout ce qui dit poisson, saumon, regardez, les gens ils sont pressés. Un dimanche 24, rien à faire, regardez ça. Voilà, regarde, zéro respect. Ça se trouve, ils font un accident, tout sera enregistré. Hein. Donc, petit toast, je disais. Après, on va se faire des petits feuilletés au magret de canard. Ma copine et ma famille vont préparer ça avec les enfants. Et bien évidemment, à minuit, qu'est-ce qu'il y a à minuit? Le Père Noël est une ordure. Non, je rigole, c'est pas une ordure. On l'aime tous, le Père Noël. Il va nous ramener des litchi. Écrivez litchi dans les commentaires, je vous envoie des litchi. Litchi de la Réunion, les meilleurs du monde. Et ouais, on peut pas se vanter, c'est comme ça. Donc, voilà, avec petit apéro, petit champagne. Champagne, ouais. Petit champagne pour digérer le foie gras, ça peut bien passer. Ça peut, j'espère pas que la pluie va tomber, le temps, il est pas... Il est un petit peu maussade, le temps. Donc là, on teste également. On a pris des nouvelles batteries pour la GoPro, mais je pense qu'après on va prendre une batterie externe. Au moins la GoPro chauffe moins, je pense. On verra ça. Là on a pris une nouvelle batterie, on a deux batteries pour la GoPro.
On est en mode 4K, 60 fps, hyper smooth activé, donc ça devrait pas trop secouer, ça devrait être stable. Il y a intérêt pour le prix qu'on paye une GoPro, c'est pas stable. Je vous jure, je prends l'avion, je vais en Amérique, je vais voir le patron de GoPro, je lui dis écoute, t'as déjà essayé la dernière GoPro? Bon, est-ce que tu peux nous donner un récapitulatif du hyper smooth? Les jeunes flamboyants, il y a encore des gens à Carrefour à 16h un dimanche après-midi, alors que c'est ce soir le réveillon. Moi je dis, si vous allez acheter un cadeau de Noël pour votre famille un dimanche à 16h, c'est que vous aimez pas votre famille. Et ouais, alors vous avez depuis le mois d'octobre pour acheter des cadeaux. Moi j'ai déjà tout acheté, même pour vous. Vous aurez des cadeaux l'équipe, il suffira de mettre un pouce bleu, un commentaire, je participe, et on fera comme la dernière fois un petit tirage au sort pour vous faire gagner des cadeaux. Ce sera des badges, des porte badges en cadeau. Cette fois-ci on fera comme la dernière fois à 10. Merci à tous les nouveaux abonnés, de s'être abonnés déjà de une, et de deux, salut à vous, bienvenue. Petit vlog numéro 5 je crois sur la route. On a déjà mis deux en ligne, le troisième il devrait sortir d'ici demain. Ouais, regardez, le jeune plaque A, ah, il est pressé. Un dimanche, être pressé un dimanche, ok. Nous notre véhicule il fait que 90 chevaux, 1,5 litre HDI, tranquille comme vous voyez. Même pas 2000 tours minute, consommation 1,9 litre, c'est carré. Oh là là, la pluie. On n'avait pas demandé de la pluie. Hein. En fait, là, c'est un nuage qui passe. Mais si vous êtes dessous, au moment X, bah, vous êtes mouillé. Ah ouais, essuie-glace automatique. Magnifique Mercedes. Mais bon, avec un moteur Clio 4, autant rouler en fourgon. Hein. Un jeune fourgon fou HDI, 30 euros de gasoil, tu fais voilà 500 km, 4 litres 4 en pleine montée, non 7 litres quand même, on monte quand même à 10 litres en pleine montée, exceptionnellement. Donc on n'a rien oublié, j'espère pas. Comment on a changé de véhicule. Je vous ferai également une présentation de mon fourgon. Parce que là, il est d'origine. Mais après, on va passer chez AF Performance. Ligne en inox. Turbo cartographie. Ouais, on espère sortir un petit 160 chevaux. Ça serait plutôt pas mal. La température de la GoPro. Franchement, je sais pas. Chauffe pas tant que ça hein. Et en plus on a changé de batterie. Est-ce que ça serait les batteries de la GoPro principale qui chauffent? Je sais pas. En tout cas merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Petit POV sur la route, magnifique Seat Leon 1,9 litre TDI 150, la base. Là, c'est la base avec les Seat Leon 6L, la base de tous les réunionnais. Avec Skoda, Fabia VRS, tu connais. Cupra également fait partie de la base. Après tout ce qui est voiture française, 206, 306 HDI, 306 T16, TD, 205 TD, pouah, que de la folie, que de la frappe. Donc là, on a allumé les LED. Regardez le magnifique allée de cocotier. Moi dans les commentaires, c'est pas magnifique le petit allée de cocotier. Après, je pense on a perdu 2 ou 3 rushs. Est-ce que c'est la carte SD ou est-ce que c'est à cause de la GoPro qui chauffe en plein soleil? Je sais pas l'équipe. Parce que il n'y a pas que du plus dans une GoPro. Le problème,
Apparemment, il faudrait une carte SD d'une vitesse 4K. Là, on a mis une carte SD 128Go. Est-ce que ça serait elle le problème également? Je sais pas. On achètera dans le futur une petite carte SD. GoPro 12, c'est bien. Mais le mode HDR, ne pas utiliser. Ou très rarement. Après, quand vous êtes en 4K standard, 10 bits, franchement, ça fait le taf. 30 FPS, pareil, ça fait le taf. On va le laisser passer. En 60 FPS, la GoPro, elle travaille un peu plus. C'est l'été. Elle galère un petit peu sous le soleil. Donc, on est obligé de filmer en 30 FPS. Et 30 FPS, hyper smooth. Ça bouge pas, hein. Je regarde ce qu'il fait. Il rentre dans la voie de bus. Donc, comme je vous ai dit, on était à 470 km. Regardez. On a déjà gagné 30 km d'essence gratuit. Et ici, à la station, le gasoil. Gazole, le gazole. 1,39€, dit gasoil en créole. Le gasoil 1,39€, le sans plomb 1,71€. Dites-moi dans les commentaires le prix en métropole. On aimerait bien savoir le prix. Là, on n'a pas mis le débit élevé. On est resté en débit standard. Pour une fois, pour voir. Tant que la qualité elle est bonne, on reste en débit standard. Vous puissiez avoir une bonne qualité d'image et moi pas trop de surchauffe parce que la GoPro elle est sur la tête. Si elle explose, bah, c'est moi qui explose avec. Donc là on est plutôt pas mal, hein. On est presque arrivé. Du moment qu'elle puisse filmer 20 minutes sans surchauffe, mais en mode comment ça, 30 images secondes, S3 qui filme. On va faire la course avec le S3. Salut, yo. En mode, qu'est-ce que je disais? Ouais, en 30 FPS, franchement, avant qu'elle surchauffe, vous pouvez filmer 30-35 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Vous filmez 25, vous laissez une petite pause. Après, si vous voulez filmer 2 heures ou 3 heures, je vous conseille de prendre une batterie externe. Parce que là, la batterie en fait à l'intérieur de la GoPro elle chauffe. Plus la GoPro qui chauffe, bah, elle se met en surchauffe. À moins qu'il y aurait des GoPro en aluminium, mais. GoPro en aluminium, pas très bien ventilé, je dirais. Donc on donnera l'avantage à un smartphone pour pouvoir filmer longtemps. Smartphone, trépied. Après, qui dit caméra d'action, petite qualité d'image. Rien à dire. On n'a pas filmé encore en 5,3K, mais déjà en 4K, 16/9. On va laisser passer la jeune 206 des FAP. On va faire la course. On va essayer de le rattraper. Non, je rigole. Nous sommes dans notre jeune fourgon. 16h24. On va pas arriver en avant. On va juste rétrograder en 4e. On va pas arriver en avance au travail. Ça sert à rien. On sera pas payé plus. Magnifique flamboyant, salut yo. Ce qui est déjà bien, elle s'est pas mise en surchauffe, on est presque arrivé. Ça ne serait tardé, mais bon. Est-ce que la nouvelle batterie elle tient mieux? Je pense que c'est grâce à la nouvelle batterie. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire pour Noël comme menu. On aime bien manger. Le manger, on aime bien le manger. Tout ce qui est nourriture. J'ai déjà mis la boisson à glacer à la maison. On va aller travailler jusqu'à 22h, malheureusement. Alors que tous les collègues ont posé des congés. Je pense que l'année prochaine, on va poser des congés. Le patron, si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas d'accepter mes congés. Hein, parce que la feuille, avant le 31 décembre, elle sera posée pour l'année prochaine. Tout le monde va fêter Noël avec leur famille. Et nous, on va travailler. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Ça, la vie. Voilà qui bosse pour d'autres. Vous inquiétez pas.
Je ferai un tirage au sort pour le cadeau de Noël. Je ferai une petite story également. Quelques instants pour vous faire gagner 10 colliers, 10 sport badges au tirage au sort. Le tirage se fera, allez, le 31 décembre, on fera un petit tirage en direct. Bon, ça va, on est presque arrivé, ça n'a pas coupé. J'espère qu'on va pas perdre les rushs. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la forêt? C'est suspect tout ça. Un mec tout seul dans la forêt. Il va casser des litchis ou quoi? Ou chasser le tang? On se pose la question. On va freiner. Presque arrivé. Oh, la tour Eiffel! Il n'y a pas qu'à Paris qui a la tour Eiffel. Regardez. La tour Eiffel. Monsieur, c'est un céder le passage. Non, tu vas céder le passage. Ce serait dommage de se faire écraser par Tibris, le joueur du réveillon. Vous savez comment on m'appelle dans mon pays? Le faucheur. Parce que tous les gens qui passent, je les écrase. Mais sans faire exprès, hein. En fait, c'est les gens qui traversent devant. Bah. Donc du coup, à l'hôpital, ils m'ont appelé le faucheur. Un faucheur sachant faucher sans son fauche, c'est un bon chauffeur. Et nous sommes bien arrivés au parking du travail. Salut, oh, j'espère que le trajet a été agréable. J'espère que vous avez été sage parce que j'attends mon cadeau aussi. Nous sommes à bord du jeune fourgon fou. Attendez, souriez, on est filmé. Alors, un menu Big Mac et des grandes frites. Voilà, on a passé la commande parce qu'on va se faire un petit McDo. Passer la première. On va taper un petit McDo ce soir. La voiture du chef, il est là. Nous, on va aller se garer comme d'habitude. Le 25, le seul endroit ouvert de l'île, à 24 et 25. Et tous les autres jours, l'aéroport. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous jure, si un jour je suis directeur d'aéroport, regardez le petit chat dessous, il est en train de manger, je sais pas ce qu'il mange. Je ferme l'aéroport tous les jours fériés. Chaque jour férié, l'aéroport, il sera fermé. Ouais, ouais, c'est comme ça. Où est-ce qu'on va se garer? Allez, on va se mettre à côté du petit Hyundai. Ouais, le petit Hyundai, le jeune Hyundai. Encore un petit peu. Plutôt pas mal. C'est mis à côté du petit Hyundai. Magnifique Mercedes. J'espère qu'un jour on pourra se payer un pareil. J'espère que le trajet vous a été agréable. Nous sommes à 18 minutes de vidéo en 4K. 60. On va s'arranger un peu les cheveux maintenant qu'on est arrivé. Niveau chauffe, ben ça chauffe. Ouais, ça chauffe normalement. Je sais pas, du moment qu'il enregistre, c'est tout ce qu'on lui demande. 18,42, 4K60, salut à vous. On a perdu 30% de la batterie. On était à 100%. Donc pour dire que ça descend vite quand même, ces petites batteries. Je pense qu'on va faire. On va se prendre une batterie externe pour pouvoir filmer des heures et des heures. Après, ce qui serait bien de faire, c'est un film. Créer un film d'une heure et demie, comme au cinéma. Mais en version YouTube. Et uniquement tourner à la GoPro. Dites-moi si vous êtes chaud. Ça pourrait être un projet pas mal. Hein. Je pense que je vais donner des idées à d'autres. C'est pas grave. Elle est gratuite, c'est cadeau. On a mis la GoPro devant la clim pour la refroidir. Finir de discuter un petit peu. On va forcer la clim. On va refroidir. J'espère que ce trajet a été agréable. On n'a pas eu de bouchon. On est arrivé même en avance, l'équipe. Regardez. 18h31. 18h31.
16h et on commence à 17h, je crois. Alors, on a passé les 20 minutes. On va checker quand même le planning, hein, parce que l'équipe, ce serait dommage d'arriver en retard alors qu'on est en avance. Toujours à bord du jeune fourgon. Alors, capture. Excusez-moi. Dernier jour de l'année, il faut aller travailler. La flemme. Franchement, les gens qui ont fait le planning, ils ont fait un planning de M. Un planning de M, je vous jure. On est en repos. Mais là, on n'a pas de repos. 24-25, on travaille. C'est ça, l'esclavage a été aboli, mais pas pour les blancs. Bon, c'est pas grave. Salut. Petit TikTok. Donc, à l'intérieur du jeune fourgon, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors, le petit volant en mode... franchement, pour braquer, faire des manœuvres magnifiques. En mode, comment ça? Avion, en mode pilote. En fait, c'est un petit volant Peugeot, deux branches, plutôt magnifique. Compteur. Vous pouvez le voir, compteur, tout simple. Plastique, plastique, plastique. Le jeune autoradio, regardez, 520 km, on avait 470, 6h33. Après, ce qui est bien, en haut, vous pouvez ranger vos effets, juste en haut. L'autre côté, vous pouvez ranger vos effets également. Magnifique siège baquet. Ah ouais, regardez-moi ça, les gars. Vous avez pas dit siège baquet. C'est un 2 places. Boîte, 1, 2, 3, 4, 5. Watt 5, voilà, ouverture des vitres, tout simplement. Bon, Manuel, salut à Manuel. On va éteindre la clim comme il fait froid, je commence à avoir froid l'équipe. On va éteindre le véhicule également. Merci à tous d'avoir partagé ce trajet. Je pense qu'on se retrouvera pour l'épisode numéro 6, discuter un peu, voir si vous avez passé un bon réveillon de Noël, pour ceux qui fêtent Noël, et prenez soin de vous et de votre famille. Et salut à vous. On se quitte sur les magnifiques Tour Eiffel. Il y en a deux. Et les magnifiques montagnes. C'est bon, il pleut pas, l'équipe. Donc, on est plutôt pas mal. Salut à vous et à une prochaine vidéo.